la semaine prochaine dans Parlons de livres. Je vous dis donc aux auditeurs de quoi vous parlez dans le roman. Bien entendu. Donc, dans la fausse amitié, nous y rencontrons Ambre, qui est une jeune femme réservée. Au début du roman, elle est lycéenne en terminale scientifique au lycée Chaptal, lycée parisien. Ambre a toujours été réservée, mais depuis quelque temps, elle se comporte étrangement, ce qui attire l'attention de ses amis, qui ne la reconnaissent pas trop, on va dire. Et donc, ses amis, prénommés Agathe, Richard, Gwendoline, s'inquiètent, mais Ambre insiste toujours sur le fait que tout va bien, que ce n'est rien, qu'elle est juste fatiguée, etc. Un jour, cependant, elle arrive dans un mauvais état. Donc, son amie Agathe, une amie qu'elle a rencontrée en étant plus jeune, elle se sent connue grâce à l'équitation, elles se sont retrouvées au lycée. Décide d'en savoir plus et de percer ce mystère qui entoure depuis quelques temps. Donc, elle décide d'aller chez Ambre à l'improviste. Et là, elle découvre l'horreur de la situation